Now you're dying and trying to find us on the radio, but we come and go as we want. So another hour up underground and up on the road. You want to hold step to the podium. About a long time ago, you end up something ended up and go. I used to skip the floss, my teeth and watch as far as choke. My first warm, there's some moments that you don't ever wreck. I tell you, man, this your name. You know, I can duck you. I tell you, dance, but I can shoot your feet from the moment. I'm looking for the call of drums in the after. I'm looking zigzag through the chair, but I'm here coming back. I'm calling. We all been around those. Bonsoir à tous, bienvenue dans le QG sur RP Média. Ce soir, nous recevons Noam Sarr, qui est membre du M5 RFP, le mouvement du 5 juin. Et donc, avec lui, on va parler de ce mouvement-là, pourquoi ce mouvement. Et l'après-IBK, comment c'est en train d'être dessiné par les membres du M5 RFP. Et pour recevoir ce soir Noam Sarr, je suis avec Toto Diarra et Boukanyaré. Et donc, c'est quelqu'un qui est très actif aujourd'hui sur le plan médiatique pour mener la contestation. Pour l'instant, je crois que sa connexion l'a un peu lâché, mais il va revenir. C'est quelque chose auquel nous sommes finalement habitués hein, quand on est en connexion avec le Mali. On a eu des moments difficiles, mais on a toujours réussi à faire les émissions malgré le niveau de connexion qui n'est pas encore au niveau de notre souhait. En Lagéba, on est en Lameba, on est sous, en Baouf, on a fidélité là. Et Souna, on fera les mignons, on a un tourné, émission QG là. On est mignons, mignons, bolokrom, on a invité, et nous, on s'est allé, M5, Mordoy. Et Mordoy, de doit drôler, t'es malion, non? Donc, on a quand nous, qu'on a invité, bi, qu'on a qu'à franfroigner M5 là. On est, nous, c'est là qu'a président Ibrahim Boubaka, ou l'Ika Boy. Barak mene blaleme 5 ans, voilà ça, on a segi, yame kololo mounou kono bi, mauvaise gouvernance, corruption, insécurité, ani politique kuntan ou kuntan yato nan cela ni yoroma bi. Feng men, ouloubeka mouni labin, voilà ça, on a segi, kana bla ou mene kono alibitouni. Donc, Noam Sarr, voilà, Noam Sarr y connecté, je pense que y a pas connexion, c'est que là, kana, non a medien, ka akoumbe. Noam Sarr, je suis désolé. J'avais eu une petite coupure. Je suis désolé. Pas de souci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Et vous-même? Ça va en tout cas. Bienvenue sur RP Média. C'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est la première fois et en règle générale, quand les gens viennent une fois, ils reviennent. Bon, j'espère revenir. Hein. Très bien. Bonsoir, Toto. Bonsoir Elidja, bonsoir Noam Sarr, bonsoir Bouka. On a même bras Benoula. Bouka Inissou. Bonsoir. Bonjour. Bonjour Elidja, Toto, monsieur Noam Sarr. On a même bras Bouka. Bonsoir. Au bismillah, puis médias, soubaron. Noam Sarr, ça nous fait vraiment plaisir que vous avez, que vous acceptez de venir discuter avec nous dans QG. Donc, ani wole kana kana kuma M5 kola, ani laben mounou ba obolo, ni beka wole yi sabati la, a obeka mounen laben, kamalion mara okono. Donc, on va discuter autour de ça. Nga, sana nganda do la, ere barake nyon do bey, no ye Soumaïla Cissé, ni a kle bichegi ni kle flade, Soumaïla Cissé a fait l'objet d'un enlèvement. On s'arrête là. Un enlèvement, on ne sait pas par où, on ne sait pas où, on ne sait pas la suite. Ça fait 82 jours. Et juste là, aujourd'hui même, il y a eu une interview du négociateur officiel
sur Radio France Internationale, et donc avec Maître Demba et deux autres personnes, un journaliste malien et un ancien premier ministre de la République de Guinée. Kuma munumbola la ntaloniya kuma me. En tout cas, bi. Ebe analyse kuma neke Soumaïla kam neli la ani kumunumbe kake moroma a revendiqué. En ta don. Tantôt, sur la branche gouvernementale, on nous dit que, avec Djihadis Oubolo, on a même fait planer la Katiba du Massina. Et tantôt, on nous dit, on ne sait pas avec Mrombolo, on ne sait pas avec Romuna, mais on est en train de négocier, on se montre confiant. Donc, quelle analyse vous faites du rap de Soumaïla Cissé, de sa non-revendication et du statu quo? Ok, en fait, merci beaucoup. Je voudrais, si vous le permettez, ça dépend, je peux m'exprimer en français et en bambara à la fois. Oui, très clairement. Ok. En fait, Soumaïla Cissé a été enlevé plus exactement le 25 mars 2020, lorsqu'il battait campagne à Niafunké, sa région natale, sa circonscription électorale. Et Anya Ikafo, enlèvement Inkera Tchoumina. Mokodi nana kamarfa Soumaïla naka délégation Soumaïla ni mobile flade pour nous BJ avec Mali ambulance nous met chocobi Djemao BJ Bilba ne Soumaïla comme ni fait naka chocobi donc qui s'est tiré mobile ko fela au bas dira ka foko ama d'abord ka Soumaïla fera parce qu'a donné tout nous ko Soumaïla bi mobile et sur le coup dès qu'on a stopper les véhicules au moyen de coups de fusil, le garde du corps de Soumaïla Cissé, Mohamed Cissé, a été mortellement atteint. Les ravisseurs ont tout de suite embarqué Soumaïla sur une moto et ils l'ont séparé dès les premières heures du rap de l'ensemble de son groupe qui l'accompagnait. N'est qu'à partir, conférence de presse, ok, Soumaïla Kam Nelinkoïna, un Inaldo Tengu Djamana Maravraoula. Soumaïla Bimine Domi, Nebora Kalamadronier téléphonique à ma. Pendant 2 heures, 3 heures de temps, le téléphone de Soumaïla Cissé sonnait. Ça sonnait dans le vide. Or, c'est très facile aujourd'hui, les services de télécommunication, dès qu'un téléphone est allumé, ils peuvent le localiser en 1 ou 2 minutes. Mouna Omake, Anyonina Litingo. Audio d'Obora, Kafoko, Soumaïla B, Katibari Masina Oulo. Mami, audio inke Matadon. En bidou mine kopi, ma chitse kafe ko odoy a authentifié le nom. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de questions légitimes. On se pose la question de savoir si effectivement Soumaïla est détenu par des groupes djihadistes. Parce que les djihadistes ont leur mode opératoire. Ils sont souvent quand même courageux et ils revendiquent les raptes dont ils sont les auteurs. Maintenant, en Bétika, Bitigli chamanke na bitigli te koyi na ay jamana ni mogo et cellule de crise bla en place à la matière pour nous c'est maladroit parce que les services de renseignement il y a des services qui sont créés pour ça les services de renseignement sont chargés de ces questions là maintenant quand ta cellule de bla en place donc franchement pour nous c'est une maladresse et pour nous les résultats tardent à venir ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une cellule de crise nous insistons nous persistons mamounou Soumaïla na bouglo uka bla aka singa na kadimaela mamounou nou Soumaïla enlevé mamounou bla la uka doka foko masakeli kete te tien là-bas ala de psikobela donc ay gogoni mamounou bla la ko masakeli kete te tien là-bas mambi kono wala non mare do que moko ibe seko do la ibi toto e mi fleka studio kono mi jaybo ke bi nga etena jien la baye ka studio en kono abi doko do foray ko donc ka fo kambe ka mogo de acquisir en tika mogo acquisir en ni ngal munu tengu ambulo ani ngalu ka nga jabi mune la Soumaïla ka telephone sonné na pendant plus de 4 heures de temps à ma localiser ka fo ko Soumaïla bimi ko telephone yira lokazira fande o mafo bon amba donc ka fo ko bi Soumaïla be fura de ta parce que amana ga jugo jugo chokoroba do akor la shi sera ero do la Soumaïla be fura do deta e information mamblo ajira no jadi simi
no e otajita no ka laini de kata fura ni ne kanadi otajima a ojadisi nunu ngani akai ne. Donc pour nous ce sont des questions et ce sont des interrogations légitimes qu'on est en droit de se poser de façon claire et précise. Donc Soumaïla on dit non opposition chef de file jamana mabado mime jamana nyamaya la bi ale ka challenger principal de Soumaïla ko ka tunuta mata do abemi mbolo mato do ki bari jonjon te ka soraka o efe mi ma kofo ko anga jamana abina dinge kono noye lakana balia dinge abina dinge kono noye marake ko jugu dinge au ni ne. Je pense que au kuna kadibi parce que au Europe au France al ni iduna mene mene we kono yono biye na au mi malla bien te sécurité là ne te ga mobile ta ka foko metra mofti marala ti ne te ga mobile ta ka foko mita kuru marala ti mita ni estirande mitani kamana gwande mitani konomodi. Donc aujourd'hui les faits sont clairs. Soumaïla est pris en otage, il est privé de ses mouvements et personne n'a revendiqué. On ne sait pas plus de deux mois après qui détient Soumaïla Cissé. C'est quand même scandaleux. Alors que les moyens de communication, il y a Barkhane, il y a la MINUSMA, il y a les investigateurs, les journalistes d'investigation de Mediapart, du Monde et tout. Donc, il faut que tiens à faire maler au Niana. Donc, vraiment, pour nous, c'est une préoccupation majeure et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que le chef de file de l'opposition puisse regagner sa famille biologique et sa famille politique. Monsieur Sarr. Toto, juste avant de réagir, oui. Je voulais dire aux spectateurs que nous sommes en live simultané sur trois plateformes, la page Facebook RP Média, le compte Twitter RP Média, la chaîne YouTube et aussi sur notre site web. Donc, vous pouvez nous regarder sur toutes ces plateformes. Et je tiens à remercier la fidélité grandissante de nos spectateurs et notamment dans Kelengelen. Tu sais pourquoi je te dis merci. Toto, continue. Ouais, donc, Monsieur Sarr, en fait, il faut une égale qu'il est temps qu'il a ou bien même faut la peut-être. Comme il a fait d'ailleurs beaucoup amener la campagne à tout, campagne et c'est la fête. Donc, on est beaucoup à la main. Le gouvernement a fait quoi pour le problème de la sécurité garantie de l'OPB, etc. Est-ce qu'en tant que ministre et engagement législatif, et que la circonscription a été en fournée familiale, est-ce qu'il est comme ce mélange à quelque chose? Bien sûr, en métal, parce que le gouvernement manque. Ou que bara et bara kelen de yokan galotke. Ou bi kuma ou kuma fochi en tout kwa kuma ou la. Ou bi kuma ou mamoune. Ministre de l'Intérieur de Anaski, ka parti politique ou laski. Ka foko lui disposition beta. Ou la sa ka sécurité sabati. Ou candidat chiti na gale aye. Soumaïla la nyafouke a fadougoudo. C'est la terre de ses ancêtres. C'est sa terre natale. Donc, c'est normal que cet homme qui depuis plusieurs années est à la conquête du pouvoir aille légitimement dans sa circonscription et battre campagne. Donc, Soumaïla Tara au Hokum ni Konna. Donc, en gagnant de Gonyona, sécurité Kunte, gouvernement m'a proposé Soumaïla pour sécuriser, ou ma blague à sécuriser. Donc, ou y'a comment faire fort, à bayer, n'embarra comment ou dit, qu'à comment mamou. N'a aïe 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 aïe. C'est un homme courageux. Moi, je suis un homme courageux. Ni ne casse les conséquences pour elle, ni ne casse les conséquences qui n'allent ni pas qui n'allent ni mimiquer ou mimiquer. Parce que, vous savez, pour être maître, ni à la mamie là, elle ni d'une manière ou d'une autre, ni ça a servi ma dôme à visser, ni d'une bouteille qu'on a vissé. Donc, moi, j'allais partir, j'allais tout faire pour rencontrer ces populations pour lesquelles je me bats depuis tant d'années. Donc, j'allais naturellement partir. Maintenant, Soumaïla, ouais, aujourd'hui, est prise en otage, a disparu. Peut-être qu'il n'avait pas, il avait toutes les garanties sécuritaires. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Certains groupes armés ou l'ensemble des groupes armés qui opéraient dans la zone avaient quand même donné des garanties suffisantes pour que Soumaïla n'ait pas né de la dernière pluie. Donc, il est allé et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Le mode opératoire indique que il y a vraiment des interrogations que cela suscite. Vous avez vu le journal, vous avez lu dans le journal Le Sphinx,
que les hommes qui ont opéré, portaient des Rangers, ils avaient des talkie-walkie. Et ils opéraient, ils communiquaient avec certaines personnes. Donc, c'était en plus, un mode opératoire. Même cette communication, au fait, Cook Moura, chef fait, mais Nyamro ou le co-chef ou des. Bon, je ne sais pas, mais déjà, disons, ouais. Nyamro ou le co-chef. Ah, donc, bon, voilà, ce sont les interrogations légitimes. Maintenant, voilà. Tout ce que nous pouvons dire, quoi qu'il advienne, quel que soit le temps que cela prendra, Nintien Abi Bangé, Nintien Abi Don, Mamounoué Ninké Oubé Don, Nasro Politique Kodedou, Nasro Politique Mordedou, l'enlèvement, c'est un crime imprescriptible. La séquestration est un crime imprescriptible. Ah. Donc, on connaît Mimi Don, Iko Saya, ni Djanfan Dedon, ni Politique Djanfan Dedon, Ambo Keleke, Walasa Otien Kabangé, ni Mamounou Yera Kofé, ou ni Nyangeli Mingakanga Sharia Hukum Konobike, ni Allah Sonam. Exactement. C'est la question que j'allais poser à Pepe. J'ai dit que le gouvernement est allé être un dame à Foko ou à Kobeka qui est garanti. Dans ce cas, vous êtes dans le bout en bout de droit. Le parti de Soumela est dans son droit. La famille de Soumela est dans son droit de porter plainte contre, pour homicide ou enfin, mettre en danger de personnes et voire homicide pour le garde du corps. Donc, il y aura déjà déjà. Donc, c'est ma deuxième question. En tout cas, okay. La rédaction de Parti Média tient à signifier son soutien aux proches de Soumaïla Cissé, à tous ceux qui souhaitent aujourd'hui que Soumaïla Cissé soit parmi nous. Merci. Donc, voilà, ça c'était d'entrée de jeu. Voilà, pour pas qu'on oublie Soumaïla Cissé, parce que on peut l'aimer ou le détester. Quand on en arrive à capturer avec une telle facilité sur le territoire malien, en pleine campagne, je ne vais pas dire la deuxième personnalité du pays, parce que dans l'ordre protocolaire, non. Mais Soumaïla Cissé, c'est un poids lourd. Si on arrive à l'inquiéter de cette façon, nous devons avoir peur. Et rien que pour ça, nous ne devons pas oublier Soumaïla Cissé. Maintenant. Merci beaucoup, monsieur. De rien, c'est notre devoir. Maintenant, on va parler du M5-RFP. Pourquoi vous avez voulu faire partie de ce mouvement-là? Déjà, pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, Noum Sarr et son parti, depuis plusieurs années, opèrent au sein de l'opposition. Le FAD, Front Africain pour le Développement. Voilà, tu peux le dire, pas de souci. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Bouka. En fait, c'est un parti qui s'impose peu à peu sur l'échiquier politique. Et depuis plusieurs années, nous avons inscrit nos actions dans le cadre de l'opposition républicaine et démocratique. Et nous sommes ce que les gens appellent aujourd'hui les gardiens du temple. Parce que depuis 2011, nous sommes à l'opposition. Nous avons fait l'opposition contre l'ancien régime de Amadou Toumani Touré. Et quand M. Ibeka a été élu, nous avons décidé d'inscrire nos actions au sein de l'opposition parce que nous étions convaincus que ni lui, ni son entourage n'avaient une solution pour sortir le Mali de cette situation que vous connaissez tous. Donc, un parti et son président qui sont dans l'opposition et qui se battent contre vents et marées au sein de l'opposition. Nous avons mené beaucoup d'actions. Ante Abana, le FAD et moi-même, nous étions des porte-parole. Nous faisons partie de la cheville ouvrière de Ante Abana. Et vous avez vu ce que ça a donné. Ensuite, les élections de 2018, nous avons soutenu Soumaïla Cissé. La mascarade électorale, la fraude généralisée, le coup d'État électoral opéré par Ibeka et son clan, vous en savez mieux que moi. Donc, face à la gouvernance calamiteuse que nous dénonçons depuis plusieurs années, face aujourd'hui à la prise en otage de notre démocratie, face à l'occupation du territoire national par une horde de djihadistes, face à l'incapacité du pouvoir politique actuel à restaurer l'unité nationale, à restaurer l'intégrité territoriale, face à l'incapacité du pouvoir actuel à donner le minimum vital au peuple malien, à assurer la sécurité, à assurer le bien-être, à assurer la santé, nous avons estimé qu'au lieu de rester là à dénoncer, nous devons mener ce que nous appelons un rassemblement large. C'est pourquoi nous sommes bien sûr dans ce mouvement et nous sommes membres fondateurs parce que le parti FAD est membre de l'opposition, membre du FSD dont Soumaïla Cissé est le président. Donc nous sommes membres fondateurs du M5, Rassemblement des Forces Patriotiques. Et nous sommes totalement en phase avec nous
par rapport avec nous-mêmes, avec notre conscience, avec nos convictions, par rapport à la demande de démission de l'actuel chef de l'État, parce que son maintien au pouvoir, pour nous, c'est une voie sans issue. C'est le chemin royal pour le chaos que nous sommes malheureusement, dont nous ne sommes pas loin, parce que nous vivons une situation, il faut le dire, très chaotique, à l'heure où nous émettons. On a comme l'impression que, mouvement 3 qui est M5, on va considérer que mouvement qui est M5 est avant depuis le 5 juin. Donc, il faut que la mobilisation qui est place de l'indépendance là. Après, on a prévu d'aller sur le modèle algérien, c'est-à-dire que manifester tous les vendredis. Mondeato, à Oupala, au Srakan, pour nous vendre, pour nous vendredi, pan, à Sraoreta. Non, en fait, vous savez, il y a, le M5 est composé de plusieurs organisations, de plusieurs partis politiques, donc de plusieurs façons de faire, de plusieurs méthodes. Le rassemblement du 5 juin était une réussite à tout point de vue. Jamais dans notre pays, de l'ère démocratique, de l'indépendance à nos jours, une foule immense comme ce que nous avons vu le 5 juin ne s'était rassemblée. Donc, de ce point de vue, c'était une réussite. Nous avons dit à nos compatriotes que ce n'est pas en une journée de manifestation qu'on arrive à déboulonner un régime. Algérien, ce n'est pas en un vendredi qu'ils ont pu déboulonner le système. Non, il veut tout qu'il y a qui, il veut tout qu'il y a qui, tout, bamananga mena oula. Ok, donc il y a un malin, il y a un bas des malins, il y en a. Ko kaboka laini ke kle kle au tato fanga bipi. Algérien, angoulage, ou bora kalodi, ou bora semen chama, au fanga bina. Mugumachi, gabakuruma bon, marfamata, tasma mamene. Égyptien, il y a que. Tunisien, il y a que. Donc, kafou, il y en a. Anga jamana, kabon nou boulokon. Kabon nou tekon. Kabon marajou tekon. Anga chesiridu, al nankan kabon domo do ankan ka, anere laben kouke. Boli mimbe juma nata ni boli bay an won dalen do fenu la male on tena don tugun fo ibe ka ka fo ko nye wala semen an bo bulbulu de la an bo ko la ben sabati munu be diaspora la an bo fo ku barkada chama e deme do mouvement na chama mbala ka o seko ke na ma fu na alsa u ku chesri alsa ku wulu ku jo parce que kele damne de ni donc ambe kele min kono yere wula kele do horo ya kele do anga faso kele do munu me fanga la bi ko ku ba onke join parce que aya e ki dalu yo tu bulu sécurité te fan chiffre an jigi be kala ta min ka no e ka ibse ki ninga ma sugandi ibse ka fanga yelema tiye ka ibse ka fanga yelema pacifiquement et démocratiquement ou ko ko tantai ko oyo oluni manasa retai ni jamana de ngugo e manasa manafo ko de abi koyi. Donc, il y a des gens. Donc, pour nous, c'est clair. Ambi body. Ambi bo fo kata bo. Ka bo ka boli dama teme. Wala sa, ibeka na ka jama. Ou ba fo jama, faso jama yena. Ko a, an sona ka wala seme. Faso jama be soro ka sigi sa. Ni jama na kan kata seraminka. Ambe bi ben ou ka. Toto, excuse-moi, une question avant que tu parles sa nga nina ko. Ogosagu, moro fera la moro biwa encore. Les semaines qu'on a, moro moran woro fera la malla. Ogosagu fera l'ikela. Ibeka makuma adon. Akuma na dom na fana. Ayaka allocution d'amne ni incendie de la cathédrale de Paris. Comment qu'elle a, nous drogons flat, menin qu'on a, Ibeka makuma. Au bol Ibeka makuma. Donc, on peut présumer que Abusaga Oshike Bolla, Ibeka peut ne pas réagir. Nadun Kelatin, Aube Bode pendant combien de temps jusqu'à ce que Ibeka Kakuma. Je dis ça parce que Ko Kelamal la Ibeka Makuma Ama Dadwala. Donc, voilà, tant que Alebe Sekabo Sebeningoro Kata Kuluba, il n'y a rien qui le dérange. Moro Beka ça, la preuve à l'air est cassé. Allez se mettre cassé Mali Romnao de Kadro. Aka gouvernement se mese ka se Mali rom na o de ka dro. Ale rebe se ka moko chi, kata Mali fam fe o ka dro. Donc, o shima ale deranje, ale bi président de do. Ale bi aka avion présidentiel bablo, tapi bleman im bablo. Abe voyage, abe ta hotel baula. Donc, bonsoir Aziz Santara. Donc,
au akli la ko bolit dron be se ka ibeka wuli ka boy ni beka ma wuli du na ma ta e ina na ka sono faraga ne oui va donc là bi ani dine nyamoko do la jere do ke bo antaro a bangena mina ba après bi journal la rang est adressé malion donc là mo faraga bon peut-être que mouvement ko fait abora bidé kani aidarani Jean Gerbon Fombek Mala, à numéro 1, où il y a entretien de l'OGBM. On verra ce qu'il va dire dans le discours ce soir à la nation malienne. Très bien. Nom ça. Bon, c'est-à-dire, au fond, on a été bien volant. Au diamant, on a été bien volant. Comme un million de gens beaucoup de gens, si la badaka, quand la inique, Kobi, Moro, au fond, on a été bien volant. Allez, Chine, ni un milliard et quelques dons. Ni 100 000 personnes voilà comme manifestation que Abid Fanga yiri donné. Donc, quand Foko ama ibeka yiri, c'est un truc malade. N'aya yo ouwe donga bo la fambe fe. Ouwe wole wole la fambe fe. Ouni dine mgo wabu awere a fosa. Ouni dine mgo sigira kakuma. Ouni souyote civili yon yon yibi. Donc, quand Foko ni mboli nounou te fouike, vraiment, ouwe kuma yi mi mani hakli mne kosebe. Parce que, ni je m'en pas intéressé comme beaucoup fendiqué ou tika kéo. Anyaye, zin el abidin ben ali. Allez, barka tu mala kosebe. Maza ala tu embarka dola. A conforme la gaja manako. Pour soune armée bebou yate. Namro bora. Kabo. Be aye, deux semaines neke kasola makma. A ma fouifo. Nga a ko nanata, ko nana sirasro. Ana na kafa su jama taizin el abidin belali yaka avion takabul kata arabi saudite ni ala yaka kalfam na lai donc ni boli côté foi ke bikala ni manda ukmal ibeka tis no hopi ami domine ko asomo tis no c'est vrai ami domine ko donc ana nes no hopa en tout cas somada fait ata parce que ne a yete te mal rasé là barre de 3 jours mal rasé donc o froi ka yigigile no maintenant on est Manchester. Notre détermination n'a pas de mesure aujourd'hui. Notre détermination est sans faille. Elle est plus puissante qu'hier. Donc, on est bon. On est bon. Donc, un jigibaka, qu'on fasse une kadaï, un jigibaka, qu'on y a ni djouma donche, à baka kafe kelemi, qui se kika fou en toute responsabilité, j'ai décidé de démissionner. Kaf djama ka fanga segama, ou la, fasse djama na siki ka kuma, ka sirakura do maliko. Aye dine ni mwa yebi, kabina dofo, parce que, aleti dofo, founa bourbourak mamina, aleti dofo, founi kou chauffeurak mamina. Abe dofo maléon ba lame o kanga lame chukumina ambo lame o chukula bon moi je n'aurai pas le temps kaka discours lame parce que même dans Africa Blue Camp dans 30 minutes 1 heure je dois être sur Africa donc amana mi fo maléwe o ya kelinga koui on konin ni mi demander bi parce qu'en se rendant kaka fanga bla akake alakama akake kirakama maléon nga fanga agasse kuma munu mala koni ibeka boray ko munim nakke parce que pour nous, c'est une insulte vis-à-vis de l'intelligence commune des Maliens. C'est une insulte vis-à-vis du peuple malien. Jamana domande d'affaires, on veut Burkina. On blesse Bouboura. Blesse Boula Gaza. Burkina veut y aller tout. Donc, nous ne mal à gagner. Nous, on veut le Burkina veut qu'on s'anime Malien ou quoi. Mais nous, ça, juste une précision à ce niveau. Donc, Burkina Faso et Malien, c'est deux cas carrément différents. C'est la Djamaboul Nyonche. Parce que, au mouvement, ça existe. Il y a une blesse gata à Koumbe Kamena. Bon, alors que, dans le mouvement M5, FRP, c'est un tout nouveau mouvement. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est mal structuré en termes de communication au niveau de FN. Pour que, quand Malien, là, qu'on a fourni, il faut passer le mouvement qu'on a là. Bi ay kuna fon do refne so refne ko mouvement na do bora mangam ra ke kona la bon on sait pas ne tient do mais Burkina ben numéro ta tekele en plus voilà donc voilà OK donc c'est deux cas différents parce que je vois les gens ou Burkina ni Mali comparer alors que ou tekele
aujourd'hui, non. aujourd'hui, supposons, mmh. juste mmh. ça, comment dire, ça aboutit à une question. Supposons que Ibega Kaboshuna Kafo Kaye Barabla. Donc, Mali on t'a donné au Barabla qu'on fait Chini normalement, pays qui a réactivé. Mali on t'a donné Mimbe Senabi, voilà ça, pays qui a réactivé. C'est pas parce que AOTC est, mais Mali on qu'on a fourni une tête bimi, mais que c'est comme Chini, Ibi, Ibega démissionnera, Chini Mikangake. En fleurom na ça en tout don au tout ça fait alors que les Bruno Bourg mouvement j'ai terminé tout était tracé ou a fait un bec mais fait un bec bar non mi mi kwa ngaka après né blesse ga talu ko fait mais blesse ça le dron font magelea font kera mais anie en fin coup d'état 2012 j'ai terminé pourquoi le Mali a été dans la merde jusqu'à ce que font kera moro sara ça là fin tellement kera qu'on a là c'est parce que les gens n'étaient pas préparés à ça pour éviter cela. Aujourd'hui, il serait mieux. Mali on cas donc finalement ouvert qu'elle est maintenant, qu'elle est sous Mundo exactement. On est moins inquiétude aujourd'hui. Bouka, en fait, Nico oui. Burkina Mali t'as déclaré. Peut-être que le mouvement nous t'aura déclaré. La lutte insurrectionnelle au Burkina, c'est peut-être c'est pas la même chose. Nous, nous avons inscrit nos actions dans un cadre purement légal. En gros, jamais de bibo, il ne peut démissionner. Maintenant, il faut qu'on fasse la bénédicte. Parce que ni les partis politiques ira droit. Parti politique, à Dakanti Dore, qu'à Fanga Nini, qu'à Fanga Mara. Ne nous armes flani. Ne qu'à parti, ne qu'à ton. Wallahi, on a plan tracé l'indo. Ni Bekati, ni Transom Kangake, on a qu'il n'a mis au bamboulou. Auquel est le MPR Mouboulou, auquel est le Bouboulou, Benitado, Malien Beni Hakilan. Donc, en gros, ni Bekatara. Ni hakilina munube bebna tari franonka amba laje ka ben fenoka dobe dobla dobe dota wala sa akoti na ke ko mimi bashi basi ben soroka di bi ni sinie ni ama ben soro bi ateseka ben soro ni ibeka tala parce que ni ibeka tala vous rentrez dans une urgence vous devenez plus important et nous ça réfléchissant ni ni wole il va falloir qu'il ni wole chien tant ka soro ki soro. En fait, les choses vont changer. De non, fait, vous allez de non, bon, c'est une boutade, mais ce que je veux dire, Nibeka Talas 600, Kassora Oma Benkan Soro. En fait, vous allez être tellement convoité, vous allez devenir tellement important, tellement influent que Bebeke commandé. Et donc, est-ce que Bukaka, question, il la pose depuis que, voilà, Nifin Damne, il la pose à tout le monde, il la sort toujours. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. En fait, Naya Soraka plané ga ben soro. Est-ce que ce n'est pas plus opportun ga ben soro 600 au moins tamba au boulot mais à Kamebeyi, plutôt que vous savez que l'état qui est folé ni beka démissionne l'état qui est folé vous attraverez gena ka bon 91 vous attraverez gena transition de kera malion bena ka odon donc akana mo kana air la sera ka foko malion tina ben clic. Mounela, ni M5 Tabi. Parti Tamamba, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Donc, tu dis que tu es en train de faire. Tu es en tabla, de faire. Tu es en train 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 de faire. Tu es en ko chini antena back en cas pour qui ko transition kan atani sira ngefe. Donc pour nous il y a suffisamment de maliens intelligents, il y a suffisamment de maliens avertis pour comprendre que l'on peut se mettre d'accord sur un schéma de transition après Ibeka, sur un schéma de sortie de crise après Ibeka. D'accord, oui. En canaille monsieur ça oui. Bon, au crédit du M5, au crédit du M5, Maliens, ils ont atteint un niveau où Marotala, Moumena Keni, Bekatala, Katakaban. Je pense qu'il ne faut pas minimiser cette perception de beaucoup de Maliens. Quand on discute avec Agnébé, commentaire ou défilé, là, depuis des semaines, des milliers de commentaires qui disent Abeka Woro Nini Manola. C'est comme ni Banaï mène à ce niveau-là, il veut ça y a souhaité. Mais Bébé Sran, ça y a de base. Mais ni Banaï mène à ce niveau-là, il veut ça y a souhaité. Il veut ça y a souhaité. Il veut ça y a souhaité. Il veut ça y a souhaité.
même si après ils doivent regretter ou pas, Mali en bon au niveau de là. Donc, quelque part, c'est au crédit du M5, parce que Ibeka est Mouromou Marosa. Ou de Kachana est Mouromou Marounien. Ni Keita Laka ou Boala Mouromou Marounien. À Tobé Ben. Donc, Toto, je te laisse continuer. Oui, donc nous, ça, il y a quelqu'un qui a un boulot. Premier émier. Bon, en fait, il y a donc un peu qui fait un nouveau monde, mais il va faire ici RP Média. C'est libre parole, donc liberté d'expression totale. Donc, il n'y a pas de frein. Alors, au-delà de ça, donc, il y a mis forcément ça, après Ibeka. Donc, mais ça suppose que Fédé ou tout va vouloir. Oui, quel est. Deuxième question. Est-ce que, à la fin, avec Yorom Nabdi, il n'y a aucune autre alternative que Ibeka a démissionné dans la banane? Donc, au dirigeant Clavier. Bon, vous savez, vous savez, Mimbi, on a formé une partie de Mme Faranonga. Des associations de Mme Faranonga. Quand Ibeka a fait un plan tout, vous l'avez fait un peu. Non, on fait de route. Non, au fait, et nous, ça, on va se faire tout de suite parce que l'élection 2018, là, on va se faire un peu de mal. On va se faire un peu de mal. Mais on va se faire un peu de mal. Donc, on va se faire un peu de mal. On va se faire. Donc, maintenant, la seule dame, j'ai oublié son nom, la seule dame candidate au fait 2018. Madame, ok, bon, nous ça en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on me reclame on est où là quoi, Ibeka Kata. Mais finalement, est-ce que ne Ibeka Kata, ça va bien, quoi là en fait, car voilà ça va à quoi là bien. C'est vrai qu'il y a d'autres qui gagnent, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Non, mais mon frère, Wajibi doit en bien quoi là, Wajibi de tout, Wajibi de doit en bien quoi là, Nata et Malikoué, Wajibi de tout. Donc aujourd'hui elle est tenue là. C'est-à-dire vous savez, une lutte se fait conformément à une stratégie. Lutter de question, lutter avec une sphère, avec une stratégie. Donc, aux stratégies, on essaie de mimer la Québec à faire. On sait qu'au fond micro là qu'il y a là là qu'au fond femme fait on connaît une belle discussion là ben il y a proposition que ben on a ni qu'à hakil nai donc amesti amika kuma au kaon quel est le gars qui va ébeka boy na la ben fenébe ka stabati greffe ni beka bora mi fenébe ka ke ou la ben fenébe ka ke al nasro ma da kené kan flow donc vraiment ka fon yena aka hakil la bon buga toto deuxième question. Oui, nous me savons comment on fait. Aya nyinga, les stratégies boublo, à quoi que stratégie boublo, coûte ce qu'a d'akeneka. Clément d'amener nous comment clément fait. Aya nous comment met. Donc quel côté, on va pas tergiverser sur ça. Ah on est ce que les mecs ont marqué non. Nous c'est là qu'aille bêka l'atta. Où nous l'ont tenu fallé, où comment nous voit consigner l'endo pour la dex pour la pros pour la postérité en bas. Donc, moi, je ne sais pas si je suis à tête de ma boule. Donc, je suis en stratégie de ma boule. Je suis en train de faire la tâche. Je suis en train de Toto, je te laisse continuer. Non, c'était la deuxième question. La deuxième question est mienne. Donc, est-ce que l'alternative vous verrez bien de l'Ibeka démissionner? Est-ce que vous êtes prêts, par exemple, à l'ouverture nationale? Parce que, au fond, vous menez. Société civile, nous sommes en train de faire une discussion BEMA. Sauf l'Ibeka démissionner. L'Ibeka est au fond, l'Ibeka est noyé. Que Ibeka beaucoup ma bébé sera fort, sauf que l'Assemblée a traqué parce que l'Assemblée comme on a ça pour nous qu'elle a droit à bannir. Donc entre ces marteaux et ces temples, en cas de décision, est-ce que c'est arrêté alternative ou retient Ibeka la démission à Makaba? Voilà, mes pieds, n'entendu quoi là? Mes femmes une fois tiens donc, une petite galotière. Voilà, un masque qui a comme alternative faut qu'un Ibeka la talité. D'accord. Ne nous ça en jera M5 qu'on a tout wallahi mega kuma mekuma ni ala tout amma sigi ka kuma foi wreka ni bika ka talite amma ben foi ka ni bika ka fanga blalite angana ndu ko nyona de
Nambaratal. Absé yage kouma ou bina kofene. Nga ambi domine go bi. M5 kono. ICMASI, IFSD. I anko Mali dron. I EMK. Sadio. Ni bede fola non kan. Kouma kelempe. Ko aga walan seme. Mais koko fè wè proposé la ouwe. Fè wè bina proposé wam na. Kouma fè wè kan. Ambi domine go bi ou ma foflo. Ou ma fode. Donc, pour nous, nous avons exigé sa démission. Nous avons demandé à ce qu'il rende le tablier parce que son gouvernement, sa gouvernance a montré toutes ses limites. Notre pays est en train d'aller droit vers un mur de feu. Donc, seulement un point, nous allons discuter l'allocution d'Ibrahim Boubacar Keïta. On va le mettre à son nom, Sarbeï. Toujours avec nous, il va réagir. Bon, ATI, on va décrypter après. Et Noum Sar, je vais donc, juste... Je suis d'accord pour décrypter après, mais je vous informe qu'à 20h05, je dois prendre la route pour Africa Télévision. Très bien, je pense qu'on aura... Bon, on voit au pire, ni Itawati Selaïbeta, na c'est dans 10 minutes, ça. Ce sera avec plaisir. C'est dans 10 minutes, hein. Merci. Oui. Ibekako, Ibekako 600, Akafou na locution na, ko ate walan semen. Comment est-ce que pour vous, ce serait une avancée pour dire que mes délégués n'ont pas fait un manga manfarico, c'est bien, mais mes données, mes tabouchi corrodé. Nibegako, on s'en a mis à l'Assemblée nationale dissous, sachant que statutairement, il ne peut pas, la Constitution prévoit que tu ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale avant les, en fait, les 365 premiers jours de son installation. Voilà, qui t'est c'est. Or, non. La Constitution... Je ne sais pas, c'est pas ça. Il peut. Il peut, bon, expliquez-moi. Non, il peut dissoudre l'Assemblée. Même le jour, c'est-à-dire juste après les résultats du scrutin, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre à tout moment. Mais c'est lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, il a l'obligation de convoquer de nouvelles élections entre 21 et 41 jours. Nous, Assemblée de Sigra, 600. Assemblée dissoulée, Assemblée Koura Manal Sigra, nous de Sigra, il ne peut pas dissoudre cette Assemblée avant 360 jours. Amine Outigali, notre consultant pour les questions de droit et de constitution, si tu regardes l'émission, fais signe, envoie un message pour confirmer ou infirmer. Et nous, ni Ibeka Kosunna, comme Assemblée nationale dissous, même Manassa Bla, mais gouvernement Boy, est-ce que pour vous, c'est une avancée dans la mesure où Bamanon Bafo, qu'on y est Dobota et Fon, Fenako, Fen, Bandola de dos. Mrom Kumbei, Folofolo, Anaka gouvernement Kumbei, Assemblée Kumbei, Cour constitutionnelle Kumbei, Oti reste on a quoi Dobon Imbella. Est-ce que pour vous, on veut continuer à y Kata Top Bogabe, ou bien Bafo, non, tant que Nima Foy Dalaï, Rebbe démissionné, Ganim Beboy, Anteson? Vraiment, ne connais ni tien do, ni tien comment ka brochien ka ke binga neti sala. Ne ma wili kan jo ka ibeka ka foko manasa ka demissione ne mofo. Ama franon kan ka foko assemble ka chi. Ama franon kan ka foko gouvernement ka chi. Am franon kan kuma kilimpi oye de ko ibeka ka fangabla. Donc vraiment, mo kanana ka foko ni ninke ra oube ninke choudi. En faisant un peu de temps, il faut que l'on puisse démissionner. On a fait un effort. Donc, à taille à l'Assemblée, il y a taille à l'Assemblée. À taille à la Cour constitutionnelle, il y a taille. À taille à le gouvernement, la preuve est que vous reconduisez. Je me remarque qu'il reste à vous. Parce que, Sharia Baya Maria, il y a déjà obligé à garder le ministre pour le premier ministre. Ni y a déjà pour le premier ministre. Donc, pour nous, oui, des cas favorables. Donc, vraiment, un canard, puis chien, gros chien, la guerre. Nous, ça. En voulant pour la non-caoué. Yannick, là, on a deux fratins d'offrir. En fait, que, je suis content aujourd'hui parce que nous avons délégué, donc on ne se connaît pas. Mais peut-être qu'on connaît déjà, à mon nom, il est dedans, il est mis dedans, Mais on vu ton âge par rapport à tous ceux qui sont devant, je suis content et puis je félicite. Mais ça m'amène à poser la question parce que Bébé Nignan,
quand est-ce que chaque génération est dans la balle là? Quand est-ce que, bon, entre guillemets, la jeunesse. Donc, on peut te compter parmi la jeunesse, parce que Bika ou Jim, les jeunesses, mais où sont les Racine Tcham? Où sont les Etienne Traba? Où sont les Abba Maïga? Où sont les Maman Mariko? Où sont tous ces gens-là qui veulent un changement générationnel, alors qu'au moment aujourd'hui, l'histoire les tend les bras, mais personne. Et n'y a pas d'étrange là. Je vois qu'il veut communiquer fort quand. Mais, Oloubébé, est-ce qu'il y a une nouvelle Kanawa? Est-ce que Oudouyouka et Adib la Kanawa? Est-ce qu'ils ont envoyé les soutiens? Bon, vous savez, hein, moi j'ai toujours dit que l'alternance générationnelle ne se décrète pas. Elle se conçoit, elle se planifie, elle se met en action. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous avez droit à tout. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui ont dit que vous avez 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 dit que vous c'est à travers tes actions que tu peux conquérir le pouvoir. Être jeune, c'est pas le fond de commerce. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des enseignants pour déjà voir des gens à dîner, mais qu'il y ait tout autour. Vous savez, ma mon content, ma mini jamana kanta dusukuna, ma mini zone ni namarato do abe demsen kuna abe chokoroba kuna. Donc, c'est pas une question de génération. Mon ouvert chokoroba la bimoute mena demsen là. C'est pas une question de génération. Nous allons nous battre pour mériter ce que nous méritons. Nous allons nous battre pour avoir ce que nous méritons. Nous avons décidé d'emprunter le chemin de la politique. Nous allons nous battre sur les idées, sur les compétences et sur les qualités pour pouvoir accéder au poste de responsabilité. Donc c'est pas parce qu'on est jeune. Noumsa. Ouais. Et une réaction, parce que je sais que 22h avec Amagin, Sonson Ibn Atta, une réaction par rapport à l'absence d'existence du président Ibeka pendant 2 semaines. Bon, vous savez, moi je l'ai toujours dit, Ibeka n'avait qu'une seule ambition, c'est de devenir président. Et après avoir été élu par le peuple malien, accord d'Alger, Missiona neva foina ne madala ni bika yakla gouvernement ka bara ne madala ni bika pa ko kala ma ibika na ka ministre ye sangelinge o manyoy na bora conseil des ministres la ana ka ministre ye sang flaque o manyoy na bora doye tete a tete na bora conseil des ministres la donc ibika malibi to mimi malibi ko digital malibi ko nyam ko tal malibi ko presidental donc jamana mi na biko presidental to do ndebe ko president be. Donc, l'inexistence ou le fait qu'il soit effacé pendant 2 semaines, pour moi, qu'il apparaisse ou qu'il disparaisse pendant 2 semaines, c'est le même résultat. Ce sont les mêmes réalités. Ce sont les tueries à Mopti. Ce sont les tueries à Gao. C'est Kidal qui a quitté le Mali. Ce sont les détournements. Donc, Kouchamamba Rebe. Donc, pour nous, Abe ou Ateo, Abeka Kamale ou Mabi. Bon, Kamale ou Willa Kamini. Oui, des cas frappes. Bouka, je pense que dès qu'il commence à parler, tu lances le sujet. Okay. Voilà, parce que je ne sais pas s'ils vont commencer le journal avec lui. Ah si, vas-y, lance le sujet. Nous, ça, il est 22h, donc il te reste 5 minutes. Oui, il y a Ibrahim Bouka Keita qui a commencé à parler. Ouverture du dialogue. Bon, je pense que je vous remercie beaucoup. Ok. Bon, je pense que le journal va commencer. Je crois que le journal va commencer sans lui. Noumsa, dernière question. Mon marota ka ministre là. Erea fo mon mie sanglinga ka ministre garder. Ma wore parce que malion y ma wore de ibe ka fe. O ma wore o kata bo ka manifester. Est-ce que mais c'est une question quand? Est-ce qu'il y avait dobo atri sous nos retours là finalement? Bon, franchement, na te doba sur nos retours là. On est à Edobas, nous retournons là.
Toto de la Boraga Fossa, Kalere, Eka, Fasarako, Dashi, Jelly, Oui. Amarazé, donc, au Koroko Kamanaguando Bako. Donc, pour nous, c'est clair que. Noumsa, on va écouter la locution du président Nitarawati, c'est l'État de toutes les façons. Vous savez maintenant comment venir dans le studio de RP Média, on aura d'autres occasions. Vous savez, bien moi, je vous remercie et je vous encourage à poursuivre sur cette lancée. Je vous remercie. Infiniment. Merci infiniment. Merci à vous, M. Sarr. Prenez soin de vous. Hein. Merci, merci par Nous sommes prisonniers de mourir, pour la vie de toi, ma vie, notre drapeau sera liberté, pour la vie de toi, ma vie, notre combat sera liberté, pour ma vie d'aujourd'hui, pour ma vie de l'hiver. Les chanteries d'espérance, les cœurs libres de confiance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers compatriotes, j'ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations. Chaque Malien qui souffre ou qui manifeste m'interpelle et mérite mon attention, car ma mission est de servir le Mali. J'œuvre sans relâche, de toutes mes forces, à ce que chaque Malien puisse se nourrir et nourrir sa famille. Je travaille à ce que les Maliens puissent accéder aux denrées de première nécessité et à des coûts abordables. Je veux que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école afin de leur offrir un avenir meilleur. Je veux que vous accédiez à des services de santé de qualité dans un pays au sein duquel la sécurité est assurée sur l'ensemble du territoire national. Je veux afin que le marché de l'emploi soit également plus accessible aux Maliennes et aux Maliens, quel que soit leur âge ou leur catégorie socio-professionnelle. Chers compatriotes, vous méritez une nation forte et fière. Je vous ai compris, et c'est cela la lourde responsabilité que j'ai avec vous. Le jeudi 11 juin, j'ai renouvelé ma confiance au Premier ministre Bobo Cissé, venu conformément à la Constitution, après que les élections se soient tenues, me remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Une nouvelle équipe gouvernementale sera bientôt composée selon les critères de taille et de qualification tels ceux recommandés par le dialogue national inclusif tenu en décembre dernier. Cette équipe sera mise au service du Mali et n'aura aucun droit à l'erreur. Elle ne saurait être un simple changement de gouvernement. Elle sera un gouvernement de changement, exclusivement porté sur des résultats définis au préalable et mesurables. La nouvelle équipe gouvernementale s'attaquera, entre autres, sous le leadership du chef du gouvernement, à la mise en œuvre urgente des résultats du dialogue national inclusif qui a mis en avant toutes les priorités du peuple malien. Celles-ci sont d'ordre sécuritaire, social, politique et de gouvernance. Chers compatriotes, afin de répondre de manière diligente et efficace à vos préoccupations, je m'attellerai tout d'abord à résoudre la lancinante et douloureuse question scolaire en instruisant au chef du gouvernement
de trouver dans les délais les meilleurs un accord avec les syndicats enseignants. J'attache du prix à la résolution complète et rapide de cette crise qui n'a que trop duré. L'école, c'est l'avenir de notre nation. Nos enfants ne méritent pas moins. Je rencontrerai ensuite toutes les parties prenantes à la question de la santé, y compris l'ordre des médecins et les usagers, afin d'accélérer la mise en œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de Bamako. Ce plan de modernisation s'élargit déjà aux régions. La santé est un droit. L'assurer est un devoir régalien, un devoir de l'État. Surtout en période de crise sanitaire comme celle du Covid-19 que nous vivons aujourd'hui. Les dernières élections législatives ont fait l'objet de graves contestations dans certaines parties de notre pays. Il nous faut tirer toutes les leçons de ces crispations. Nous recherchons une solution idoine et urgente afin de répondre aux frustrations exprimées. Je tiens à ce que les Maliens gardent foi en leurs institutions. Cela est l'un des garants d'une bonne gouvernance. Et il en sera ainsi, Inch'Allah. Les déplacés du centre, notamment ceux vivant dans le quartier de Falaye, en commune 6, ont vécu des événements dramatiques. Je demeure sensible à leur situation. Nous travaillerons avec la nouvelle équipe gouvernementale à l'élaboration pour nos frères et sœurs durement éprouvés d'un plan de logement, de réinsertion et de réhabilitation. La sécurité est l'un des plus grands défis. Cela depuis bientôt une décennie. L'État y consacre près d'un tiers de son budget annuel. Mais nous sommes loin de gagner cette bataille. Nos forces de défense et de sécurité, nos femmes, sont vaillantes et elles nous font honneur. Nous nous devons de les accompagner et de les soutenir. Chers compatriotes, 14 décembre 2019, il y a donc 6 mois, nous bouclions ensemble le dialogue national inclusif. De l'avis unanime, ce fut un moment de fierté légitime. En raison de ce qu'ensemble nous venions d'accomplir, de réussir, je dis bien ensemble, car c'est ensemble que nous avons mis sur la table les questions vitales, les interrogations majeures, les grands problèmes qui se posent à notre pays et pour lesquels il faut des solutions urgentes, certes, mais surtout durables. C'est ensemble que des mois durant, nous avons évalué nos forces, nos faiblesses et nos opportunités en tant qu'État, en tant que nation confrontée depuis bientôt une décennie à son plus grand défi, à sa survie tout court. Mais nous avons pu prouver, au sortir de l'exercice, que nous savons nous écouter, que nous savons être courtois et que nous nous appartenons les uns les autres. Chers compatriotes, la trêve sociale que j'ai demandée avant et pendant le dialogue ne procède d'aucune malice, d'aucune esquive, mais de l'analyse d'une triste réalité. La demande est forte et légitime. L'offre est modeste. Elle est celle d'un pays en guerre. Je conviens qu'il m'appartient à moi d'abord de tout faire pour éviter d'ajouter une crise politique aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons. Mon rôle est de prévoir, de savoir prévenir les schémas de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue. À cet effet, je salue les membres du cadre d'action, de médiation et de veille que j'ai rencontrés cet après-midi. Leur engagement patriotique les honore. Nous aimons tous ce pays, quelles que soient nos sensibilités. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali et du confort des Maliens. Tout ce qui est dans mes possibilités et à mon pouvoir sera fait pour que notre démocratie soit forte et citer un exemple. Tout ce qui est en mon pouvoir sera fait pour que la sécurité et la paix
reviennent et pour que le chantier du développement s'accélère. Je n'aurai d'autre limite que la Constitution. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue. Car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein pour le Mali. Ce projet d'un grand Mali, et je n'ai jamais cessé d'y croire, il est à notre portée. L'exceptionnelle gravité du moment commande que nous nous serrions les coudes, que nous soyons plus solidaires que jamais. Car après tout, ce que ce pays nous demande, c'est de donner son importance à chaque Malien, afin de nous hisser ensemble à la hauteur de l'histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali. Nous serons plus vivants, aimés une fois, pour la plus. Si l'ennemi découvre son compte, au-delà, et vous irez en bas. Nous sommes résolus de mourir pour la paix de toi, ma vie. Notre drapeau sera liberté pour la paix de toi, ma vie. Notre combat sera limité pour ma vie aujourd'hui, pour la liberté. Les chanteries d'espérance, les guerres libres de l'enfance. En Balmawa, Bola Tisanka, en président Mangamé. Bon, on va réagir par rapport à cette allocution. Nous sommes président depuis le 27 à Kuntununa. Abalaka Poibi, donc Amisa Kafongo, Ibrahim Boubacar Keïta a été réactivé. C'est comme une pili Mbana, pili Talaka Doualabi. Donc, Ananakuma, Toto, je vais te laisser réagir dans la forme du discours. Avant qu'on ait le discours, il reconnaît. À forme. Dans la forme du discours, ah, c'était émouvant. J'ai même fini le paquet de mouchoirs qui était. Tellement c'était émouvant. Et du discours, il n'y a que quand ça va, ou bien ni COVID, mais quand il y a un discours, il n'y a que. Mais maintenant, quelle tristesse, quel mépris. Ça ne sert à rien, c'est éclaté par terre en face, moi je le dis. Donc, qu'on est qu'elle sera sur le fond. On est déjà au bureau, donc ce n'est pas la peine qu'un discours d'humilité façon de mouquer. Ça aurait servi à l'époque s'il était sorti bien avant. Mais aujourd'hui, pays candidat, en nous émolions le monde. Donc, on ne peut pas vivre quand il y a un pas en avant, deux pas en arrière, je ne pense pas qu'au voici maintenant. Donc, il dit qu'il est ouvert à tout, mais il est forme ou forme. C'est sous la forme, c'est un discours humble, des retours sur terre de IBK, la réactivation de IBK, IBK enfin, le président, moi, je ne veux pas dire IBK, bon, voilà, donc, le président de la République, la réactivation du président de la République, la sortie du bois du président de la République, avec un discours humble, avec un discours humain. Hein, il vient de se rendre compte qu'il est président du Mali, c'est ce que j'ai compris. Mais sauf qu'il est toujours dans la quai, et puis amène à belle durée. Mais dit, c'est trop tard, qu'il reste là sur le coup. Voilà, c'est sur la forme. Boukanyare, sur la forme de ce discours, il y a mon étonnement. Et mon ami, bon. Merci Elijah pour cette question. C'est une question très importante. Discours et forme. N'y a jamais qu'au balalé de nous. Parce que ne jamais ni moi bi adressé jamais la douna ou quand ka kunafonia y en a don cassé. Mais aye bi jamais ni moi moro informé ka fo ka bi adressé ou la bide ou bikele. Anana. Aye mo informé tout di. Ambora nere bora fin kalama ou page Facebook de fait. Yab la page Facebook hein.
présidence qui a pagé quand. Ou à la primature qui a pagé finécan. Bon, il faut se demander. Malien Jolibé, Facebook en B, moun mese à nous qu'on a fourni à Soro. Malien Jolibé, Internet qui a globalement, pour que Kani qu'on a fourni à Soro, voilà ça qui président la main. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Korebe, quoi une coffre? Et aïe moron m'a rencontré. Noé Aïdaraye, Jean Zerbo, bon moule Flarido, Jamakulu Nchela, Ani Mororo, nous le dîner Maou et représenté Bi Malikono. Bebado Aïdaraye au Conseil islamique président au Niemadou. Aoulou de Ole Bi, ou Kakuma, ou Karabi, ou Kofé, Eri Flakofé, président Sika Paji Bora, Ko, ou Jamalanyan na Kuma, Malion Febi. Né en tant que Malien. Né mieux au Beladje. Kanasi fo ni niveau ima. Kanasi fo président akumama. Né bese ka mouné fo. Yala. Olu moro ou de a Djagoya wa. A kan akumama Malion Febi. Yala. Président re la boa re la wa. Kan akumama Malion Febi. Tout ça c'est des questions à se poser. Parce que. Moro nou nou me mangana a mena. Président makuma. Ama moro Djabi. Ama fin fo. Mouna. Et nous lui en aurons bi, il n'en a qu'à faut qu'il me va faire comme il a jamana d'un fait. Avec moro jatige doni. Avec moro jatige doni. Je me demande, yala ol de Ibeka ka conseil ou yébiwa. Pourquoi Ibeka yé dinanyama ou wole, alors que bi, ko yinte dine koe, malien bebe jama kulina, mounie manganchi. An yaga discours jatemne. Discours famba bazera. Basera jeudi à Famba Kera dinenye moro de ka wole wole kankan a koka ou rencontré a ou kwa donc Ibeka kunte maliko kalamawa nous gagnerons à jerete Ibeka est Ibeka kunte ni problème kalama nous gagnerons à jerete parce que malon ranga blau kongolola bolim kera joue kalo kle duro ou kunye ka wole wole la se Ibeka na ra fangama donc ne maramo efe buka ba fobi. C'est-à-dire que Ibeka ma moko nous nous amène le 5 mouvement la moula mais bien vrai qu'il a fait un discours qu'on a. Mais quand même aga bignon a dire au de témena Jimmy sera fait. Comme aller jamanendo. Ayo la main. Oui aya fanga la malona. Ka fo ka te bo. Maintenant nous le nyon bi. Abora ka kuma malion fait anganga reni ninga. Ni reni nenié malion ma folon. Comment est-ce que il a jamanado me bo ka une semaine que ka clé de maro que e ma bo. Juste, Mororo Utara, ino lukumana, kafenge, c'est que, mounou bora folo, ou lukumaga jatelente. Parce que président en communication ou kera, mouvement en kofé, aya ye, aye bora ka fonfo, aya la mese ka fo, ou yo mokodo jalaki, kafonke, ils étaient contre le mouvement. En plus, aye kumando fo, discours un konna la. Ako, ko mouvement moro, ka a perenendo, kou koumbe, dona na taula. Konga, ale ba fo, ko mochite Mali sans fait mochite Mali sans fait kuma koro de don mochite Mali sans fait donc ayira ka fo M5 moye coûter Mali sans fait donc il défend la constitution à ce niveau bon Elijah discours formu kola balalendo bon et mépris donc à ces malons depuis longtemps mara fongo ibega bara malion demisen miné donc le tesara famu b até à la TR tambo Indo yonyoronye, ibora kana, kakuma, ko ye malé yon ka problème bemè. Bon, ou le tera problème la sima. Donc, sonne e kunta kalama. Donc, on m'a interprété ta comme ça. Ko ye malé yon ka problème bemè, ibi na ise ka solution sera là. Donc, démission kokuma, il n'a pas répondu. Ama fok a te démissionné, ama fok a beto a ra placé la. Mais quand même, a kouba wa irama, il vivra wa foko, ale baga fanga, sebe entia toujours. Donc, seba ye, Malion a problème réglé. Ayokuma do fokuma qu'on a la tourni. Donc après talenye fait amesu roule détaillé ka fenga. Mais forme qu'on a ko la balalendo ko donc anye ayra malion na ko ibega klotu ka kuma la. Ibega we mrom na me auto olié. Donc en begana ben mimbe passé dans les jours à venir gouvernement Kourala Elijah. Très bien, merci Toto, merci Bouka, aka analyse là sur la forme du discours. Bon, c'est vrai que Ibeka ka fon malion ye ka ben discours ke ni a er sabade. Ouais. Donc, ça veut dire que kounou, pourquoi ta se kounou minuit man?
ibika kum branchelen te pili kum tala ani mom ni ngoy bi ak ani lu keling ngoy pili ke la ibika la bon ni discours yere damne dans la forme ibika ay droit kum fla de ke amana amaye ay barabla ani o foyo ensuite anana ak mana wali kandela ame manyo kungo de dala buka yo kuma rofo malien joli de be malien joli de re de be ko facebook ba bolo ko fem sebel me facebook a be se ka kalanga famu ga somo o sama ça c'est un donc ame se ka fo ko ibe ka ya fo ko iba sa adresse a la nation a ya bla yoro la ni be fa ka fin do yoro la iba bla ni ibe ka ka o discours yere la je mo joli ya ye on est capable de le dire bon, on n'a pas la page mais mo nombre mi e communiquer ye a nombre be se ka dadon mon nombre m'y a liké 78 personnes, 37 commentaires, 47 partages. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Hein. Est-ce que ce ratio est représentatif de la population malienne? Donc, il y a Hydro qui a commencé. Ça, c'est un. A Hydro, c'est la première fois que je vois un président derrière un pupitre en train de faire un discours masqué par Nouna. N'était vu ici dans un. Il n'y a pas que le virus que Ibeka est en train de cacher. Il est en train de cacher autre chose. Quand Ibeka l'avait comme un drôle masqué d'ouma, masqué est prétexte de Covid est prétexte de parce que caméra Ibeka Jo, il y avait un seul plan de caméra. Caméra clé avec Jo trépied quand éclairage ou Jo la technicien mitig Jo à 10 mètres. Ibeka n'était pas obligé de mettre un masque pour parler. Donc qu'est-ce qui cache derrière ce masque? Bien Jamana Chité. Ko aya président ye ou premier ministre ye ngate al interview simple ou be masque bo al M5 mo nou be na kuma be masque bo médecin mena kuma be masque bo non ni de wala hein ni de wala OK en tout cas ibeka be ta sendo dro maliona a nyedala donc ibasro ou de kunya krikara il ne pouvait pas être là soit c'est ça. Parce que la question du je m'en foutisme, c'est vrai que Ibeka s'en fout en réalité. Mais, ni femme mekake, femme badedo. Et dans la forme, Ibeka beka comment, Ibafo, on est dans un état où Ayem Wilila, Kafo, oser lutter, c'est oser vaincre, 72 heures de grève. Ibeka beka comment, Malien, Ibafo, qu'on devait tout là, alors que Moro beka fo, de kaka démissionné. Effectivement, Mafo, kabe démissionné. Ama fokate démissionné. Ayake, il va faire ma fo. Ibeka yaka discours d'amne. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être que ça a duré 5-7 minutes. Ibeka n'a évoqué que dans le dernier paragraphe, une seule fois, le mouvement du M5. Le mouvement M5. Aya évoqué une seule fois. Aya trois fois chien klimpe. En fait, Ibeka a ignoré. Et au-delà de ça, Ibeka yoko reke, abese femouna katemeni fem beyega mro ou fara. À Koko Mohamed Talabo Alebi, ils sont légitimes. Je crois qu'il a dit qu'ils ont une dignité. Encore, il y a un tour. Donc, Ibeka, nous, des fois, analyse de la Ibeka veut jouer au pourrissement et à la division. Le timing de l'annonce du nouveau gouvernement, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de stratégique. Ce n'est pas anodin, je veux dire. Ni d'abolendo, très clairement, on va proposer des postes à des gens, on va regarder des gens comme Noumsa, Clément Dambélé et d'autres personnes. Bon, je ne pense pas qu'on puisse se proposer Kaogimni et Aka Patrona. Mais par contre, ou Shogel Maïga ou même Chekoumar Sissoko. Mais par contre, Mohamed Mangana, M5INA, ils vont les approcher, ils vont leur proposer quelque chose. Et il est calme. Oui, vas-y. Religion, il faudra comment on fait ça. Donc, Agoko, gouvernement est menacé en fonction des accords qui ont été faits au niveau de DNI, dialogue national. Il y a des termes. Où a-t-il de la contrat avec le gouvernement et l'opposition de l'Ontario? Au contrat, c'était quoi? Où a fait Ibekaï? Qu'on a le gouvernement Sigi? À quel comment le gouvernement d'union nationale? Gouvernement d'union nationale au Koro Bamanangana. C'est-à-dire que Diamana Maralao, Beba Kono, opposition Bala, majorité Bala, Beba Konala. Au contraire, Konala,
Okoko, deux ans minimum pour tous les ministres. Moune met un ministre qui a fait là. Donc, Okoumé Koufolo là. Donc, on en a essayé au gouvernement Sigi, qui est blindé dans une bête d'Ona Konala, Mokotchaman d'Ona Konala. Voilà, au fond B. Mais encore, au tourni, au gouvernement Koni, gouvernement Minas Sigi, Boubou Sissé fait, Abna au gouvernement Kéléné. On me sait comme faux. Vu que M5 Mourou, au lieu de donner, au lieu de opposition de femme, peut-être qu'à vous rapprocher comme il y a fait tout le ou le gouvernement Minaké, on a le gouvernement d'union nationale obligatoirement. On ne sait pas c'est à quoi ça va aboutir, mais un mot au fond de quoi. Tout dépend des limites de la nation d'Ibeka. Est-ce que faire un gouvernement d'union nationale, entre guillemets, avec des gens qui ne sont pas dans le M5, mais qui représentent d'autres bords, aujourd'hui, ça répond aux questions. Ça, c'est ce qu'on doit se poser. Aujourd'hui, il y a une épine dans la chaussure d'Ibeka. C'est le M5 qui demande sa démission. Pendant deux semaines, il a disparu. Et il revient, toujours dans la forme. Ade laka Mohamed Ali Bakili Koromatrian, ko kaeba le bolo, ko nale abo, ko fendila mounouma, partagi keto, ko utorobe bakono. Donc, abese mo koromatri la, abese mo djabi la. Mais, il a fermé les oreilles. En fait, il a ignoré le mouvement du M5. Il a ignoré qu'il y a des Maliens qui sont sortis par centaines de milliers pour demander sa démission. Et, ani mo mounoukmana biayo lou sangorota. Nous, de fort, là, faut que eux, ils sont légitimes, ils sont dignes. Nikouman, ce n'est pas anodin. Sans répondre aux préoccupations des Maliens, Anana Kouman, comme si il est en campagne. Ningala président, Mène Ketan. J'ai pris des notes, hein. Il m'a une note ou fléan. Voilà, on y est là parce que ça a la même couleur que l'arrière-plan. Voilà, j'ai pris des notes un peu partout. En fait, Ibeka a fait des propositions. Est-ce que ni yele ko kuma de wanga nga kashi ko abini djija mali fura ke yoro u ka ke yoro mo se ka to mais attends c'est pour ça que je te disais qu'il pense que enfin il vient d'être président aujourd'hui c'est quelle tristesse ah mais bon c'est pour il finit après mais intervenir pour ka ka ton de dini ko donc ko ay malien famu mais allez malien gman de famu parce que ño de fois Ibeka n'a presque pas fait allusion au mouvement du M5. En fait, je pense que Morom y a un discours sévère, ou bien il y a des discours sévères, où il est à éviter que M5 trop sévère, ou bien qu'à fois là. Il y a même le 5 juin qu'à Beba là. À l'abandé, il faut qu'il est disposé pour la main. Donc, c'est comme si Demsen Ndoboukwa Kola crève, mais finalement, c'est comme Morom en a couronné dit Imam Dikouma. Et où blâme, n'est-ce pas? Il y a un mouvement du M5, blâme, n'est-ce pas? Donc, voilà, gouvernement Koura Benassigi, en conformité avec le dialogue national inclusif, donc ça suppose que vous avez ça va être un gouvernement de changement par rapport à quoi? Donc, ça veut dire que Morobeka corruption, comment vous tient le doigt? Morobeka détournement, comment vous tient le doigt? Morobeka avion carton, comment vous tient le doigt? Morobeka double, triple, quadruple comptabilité, armée, gestion, tient le doigt? En fait, changement est mouné. Est-ce qu'il y a un mea culpa? Est-ce qu'il y a un changement derrière? Donc, tout ça, ça va être fait sous le leadership de lui-même. Il n'y a qu'à pas quoi, leadership. Je pense que Michel Sidibé a un mot ferama. Leadership. Voilà. Voilà. Événement où. Les événements qui ont eu lieu dans le pays à mon nommé Boka et Moroka colère ou main et Moroka cri ou main et voilà il a de la compassion voilà aller bien Mali servi donc on me mouni la corossan ou l'ombre la télé je vais servir le Mali Elijah il faut préciser à un moment où on rencontré je crois le 11 juillet le 1 juin plutôt témené au lieu et nous on a dire ok Aïdara Kumola Jean Zerbo Kumola. Donc, Aïdara est comment d'où fort. Ibeka, c'est que nous, quoi, exactement, pour répondre à ces problèmes-là. Si vous voulez, mais c'est comment vous citer pour que Baïga t'a tombé là.
Et de la ko kalantege jamana mi kono maw te furake ka nye jamana mi kono ko mo torolen do aidara yere ko ko nana voilà election ko fene a o fene fo akoko kenya sirara ulie kenya so chamanke malikono kenya so chamagara malikono ko nga uluma faso kono ko ke ko ma dorante me ko ke wale de be ka ko fe bon ni ibega ka kuma jate mine ibega ka kuma kona la ko ubina anga kena so la kuraya ko renouveler tout fait français la ko mna renouveler pour que ko moderniser donc ne bolo bien kena so la kangal bajire wa di moma pour ou frake donc nous na ko ko moderniser donc il y a un problème donc c'est la réponse exactement aux requêtes qui ont été faites par Aïdara le 11 juin amou fenefo donc maintenant ane MC moko la yini jate mine o le fait chama fofo bon presque ani ai leader religieux reçoit bi o lu la yini presque abekele mais o lu ko kulu be keleke pacifiquement donc nana bi ko présent à discours cadré ka ben o lu ka réponse moi donc ça revient à ce que j'ai dit sous la forme du discours c'est que au delà maintenant pour l'instant MC moko o lu ko mala mais comment ko ka be a da yele no be. Et puis, initiative dans le pour MCM Moro ou Fener rencontrer ou à Kouma Nouran. Peut-être qu'Amino Olu répond ou le Fener Nouran et Kofé. Sinon, le 5 juin, pour Ibeka, FFO et Mahala. C'est Kouma Mboura ou Konala. Ce n'est pas des requêtes légitimes aux yeux d'Ibeka. Mais quand même, la réponse aux requêtes des chefs religieux qu'il a rencontrés aujourd'hui, c'est que Olu Kouma Djabira, Olu Nisibisa Wasabi, parce que Ibeka Olu Djabi. Donc voilà un peu, Elidia, ce que je voulais porter à la connaissance de tous nos téléspectateurs, parce que c'est très important aujourd'hui, à l'événement où tu as comparé, où découpé, information médicale à la DIE, parce que l'analyse des discours aujourd'hui en matière de politique, c'est très, très important. Que ce soit Mounoumé Fangala, Mounoumé Fangako, ou un discours tu as comparé, s'il y a une conformité entre les demandes, et les réponses parce que bi en yé client on est en fait nos demander jamana nyema fait akanga répond M5 moko fena le client on est ou le fena fena demander jamana nyema fait akanga répond les rebolo bi mona bora abno luka requête des répond ka foka ira ka fo malion yé donc allez bi a wasi yoro la foka djien wuli ne buru ma fié a te bois placé là donc maintenant bon indirectement à ira mais quand même a y sauté ka foko mon muntara le voir c'est des gens légitimes il est dignité fois 6 ans Mourou et Mourou la déroulée. Donc, au lieu de baisser la réponse, toi ou en haut le blanc, tout simplement. Voilà. Bon. Non, très clairement, c'est ça. En fait, il a ni le discours Kalambo. D'habitude, mal là, on n'analyse pas beaucoup. Amé Mourou de là. Car ça manine, car ça cadne, car ça dakasabebo, car ça nien, Norolendo. Bon. Amo de là. Mais en fait, ni Kuma ou Tako juxtaposé. Effectivement, aujourd'hui, Ibeka n'a pas répondu. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ibeka n'a pas répondu à la grogne sociale. Notamment, Moro Sala partir de balles réelles à Sikasso. Soumaïla Sissé. Il y a un souci. Et donc, Ibeka a réellement été réactivé aujourd'hui, mais de la pire des façons. À Koko, j'ai renouvelé ma confiance à Boubou Sissé. On peut comprendre aisément qu'il était temps de renouveler le stock de politique disponible dans la poche de Ibeka. Bouka, mon image est figée, hein, donc du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Bien. Bon, ok, très bien. Donc, en fait, c'est un Ibeka est hors sol. Son discours est hors sol. C'est inadapté. Effectivement, Ibeka répond aux gens. Il a adapté son discours aux gens qui sont allés le rencontrer. Et d'ailleurs, il dit qu'ils sont légitimes. Et donc, ça veut dire que les autres ne le sont certainement pas. Bon, OK. Comme en fait, moi, je n'ai qu'une intervention pour l'autre, juste sur la forme. Donc, finalement, pour le discours, non. Moi, je vais juste parler sur le plan stratégique, politique et communicationnel. Donc, en fait, il est dans ce droit parce qu'il a besoin d'allier en ce moment. Et pour aller, il y a une la réunion qui s'est passée entre la société civile, monsieur Saint-Zer, une confession assez moponi, monsieur Zerbo. Donc, André, connaissons-nous fort. Aussi, j'aime connaissons-nous
match club va aller responsable. Donc il a dû le dire et dire à Ibeka que Astra pour garantir aller. Donc en contrepartie, donc Ibeka allait avec Moron Nané pour qu'il dialogue avec quelqu'un. Donc Ibeka fait un mode où mais ça fait de Ibeka mode. Donc il est fait un mikébi. Entrevue là, on peut voir que il est plus cher pour la campagne. Au-delà de ça, Elijah, il a migré au Togo. Il a migré au Togo, Elijah. D'accord. Nika Aketo Mimbal Madofo, Younousa Bla Markera numéro 1, Amenyo Rombolo. Vas-y Toto. Donc, je disais que Aydra n'a pas de pression. Où là, toi, il discours qui sinon, c'était pas prévu. Il y a 3 heures, il y a quoi, à peine combien d'heures, il y a le discours là. Donc, quand un président doit parler, ça s'organise sur tout le monde. Donc, il y a Ojatimine. Aïe, et concession avec un discours moitié Bekra Aydra répondant aux exigences de Aydra. Aydra a discours bien à la gêne. Aydra intervention Mikel, ni au Takalo, ni à Bekra discours. Donc, c'est une réponse. Ça veut dire qu'il est vu comme allié. Oui, qu'il est. Surtout que Aydra dit que lui ne veut pas de la démission. Ok. Ensuite, il a dit dans son discours qu'il est prêt à faire tout ce qu'il y a à son pouvoir. Donc, y compris peut-être. C'est entre guillemets, y compris la démission, enfin la décision, la dissolution de l'Assemblée, y compris le renvoi de Manassa, hein, y compris autre chose, mais à rien qu'à la démission Mandela, bah, on trouve tous ces cas à son pouvoir, donc il peut démissionner. Donc, il est ouvert à tout, mais néanmoins, dire que oui, il a fait un geste en temps, j'étends la main, mais c'est des Maliens, c'est un mouvement malien. Donc, s'il veut parler au président et qu'il a le temps de discuter, c'est pas un effort, hein. C'est quelque chose de normal, donc on t'est fait. Alors, maintenant, la stratégie, oui. Dernier dialogue national inclusif. Donc, au fin qu'on en a beaucoup détaillé. Donc, la suite est dit, Mordoma. Gouvernement du national. Donc, au premier signe, s'il y a des mouvements qui veulent rentrer dans le gouvernement, et ils vont se désolidariser du mouvement du 5 mai. Donc, du coup, donc, ce qui nous amène à ta théorie de division. Donc, j'ai avec la plaie, marche contre marche. Marche contre marche. Nous, à Bordeaux, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais maintenant, il peut dire, bon, on est prêt, si vous marchez la décision, on va marcher le lendemain. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Les derniers temps à la guerre, les dialogues nationaux, tout le monde s'est défié. Tout le monde était là, sauf le problème. Tout le monde est unanime là-dessus que ça s'est bien passé, on est d'accord. Malien et Pekoko, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé parce que Bep, bien, ils sont venus manger, tout le monde était là, sauf le problème. Ça va résoudre quoi? Est-ce qu'il y a des là? Non. Est-ce que Koufa était là? Non. Est-ce que Toloba, le monsieur qui est devant le truc de paix, est-ce qu'il était là? Non. Donc, tout le monde, en Bamako, demande nous rentrer, en transe, il y a le seul incident qui est intervenu. C'est quand Moussa Asarine est intervenu. Ça marche, que vous voyez, c'était ridicule d'ailleurs. Il n'est pas obligé de parler en Bamako ou en peu. S'il est ça, à l'aise en parlant à Tamaché, qu'on laisse parler. Autrement, il y a un petit incident. Sinon, après ça, tout le monde, un bon enfant, en Mali, en Yonsro, on s'est retrouvé, tout le monde était content. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas tout le monde était là sauf le problème. Ça, c'est aussi naturel que ça. Donc, attends, il faut que je trouve le commentaire. Quand je vous jure que le monsieur qui vient de parler sur l'ORTM n'est pas Ibeka, c'était un comédien masqué. Ah, Malion, ça va aller. Non, Ibeka, il est même mal rasé parce qu'avec son problème de dents, il a juste mal se raser. Mais au Kiboué. Donc, Ibeka. Diviser, il veut pas de solution, il veut diviser. Donc, promesse de dernier qu'on offre à Aydra Kamoro, hein, ça fait une foule. Donc, du coup, le M5 marchera et ils vont marcher. Donc, en gros, si il veut quand même, il va démissionner, il démissionnera pas. Il n'a même pas la solution. Il y a un point qui est très important, comme je l'ai dit, je vais le répéter. Si le peuple malien veut qu'Ibeka démissionne, il démissionnera. Et comment savoir que le peuple veut? La rue, c'est le lieu d'expression, c'est la tribune d'expression. Qui reste au peuple. Voilà, le peuple est souvent mal représenté. Si des millions de Maliens continuent de descendre dans la rue, bon, Noum Sarr l'a dit, c'est pas parce qu'il l'a dit, mais si des millions de Maliens continuent de battre le pavé, Ibeka ne peut pas, il peut pas résister. C'est-à-dire que ça va se fissurer. Maintenant, il y a un paramètre qu'il faut qu'on évoque. Le temps. Ibeka n'a pas le temps politique. Le temps joue contre le mouvement du M5 parce que tout faille infinitésimale qu'on observera au sein du M5 sera utilisée contre le M5. C'est-à-dire qu'il y a un M5 qui est
ça va être médiatiquement utilisé et ça peut défavoriser le M5. Et sachant que le M5 n'est pas fondé, n'a pas un fondement historique, c'est pas un mouvement dans la durée qui se compte en termes d'années, ça se compte juste en termes de semaines. Et donc, IBK n'a pas le temps politique nécessaire pour empêcher le peuple malien de battre le pavé. Et ce temps, s'il l'avait, peut jouer en défaveur du M5. Parce que comme je l'ai dit, soit le M5 réussit à se structurer, c'est-à-dire que Obiseka Moro là-bas tous les vendredis ou tous les samedis, ou Doron Soumati, je ne sais pas, tous les vendredis, pourquoi les vendredis d'ailleurs, il pourrait être Moro là-bas lundi, tous les lundis ou tous les mercredis par exemple, s'il arrive réellement à structurer ça et à le faire sur le modèle des Algériens, Ali Morom Teibekae, il va s'en aller. Par contre, si IBK arrive à gagner du temps sur eux, ça peut être le... Parce que moi, je continue à croire que je vois très difficilement comment IBK pourrait résister. Je vois très difficilement comment il pourrait résister. On ne peut pas gouverner un peuple contre le peuple. Et malheureusement pour lui, le lot, l'allégeance au M5 va monter crescendo. Vas-y, Bouka. Elijah, au fait, Awadem et Kumar ont soulevé dans les commentaires, je ne sais pas, non, pas c'est toi. Donc, du coup, c'est très important, mais quand même, si vous voulez, c'est dans le discours du président de la République, mais c'est un article pour Gara Famou, Begara Glanta Diagam. Parce que j'ai touché un peu sur le. C'est par rapport à la mise en place des résultats du DNI, du dialogue national inclusif. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la nouvelle équipe gouvernementale s'attaquera, entre autres, sous le leadership du Premier ministre, à la mise en œuvre urgente des résultats du dialogue national inclusif qui a mis en avant toutes les priorités du peuple malien. Celles-ci sont d'ordre sécuritaire, social, politique et de gouvernance. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, au fait, à cette partie du discours? Donc, si vous n'avez pas compris, ça sera en tournée. Non, j'ai compris. J'avais cru entendre sous le leadership d'IBK. Et donc, si ça a été rectifié, je remercie Awadem. Voilà, qui a été informatif pour moi. Si c'est sur le leadership du Premier ministre, c'est encore un problème parce que ce Premier ministre, aujourd'hui, n'a aucune légitimité. Très clairement. Il est contesté. On a eu plusieurs affaires au Mali qui ont été gérées par ce Premier ministre. Et tous les jours, hein, les médias maliens locaux sortent des affaires liées à ce Premier ministre-là. Et le mode même de recrutement de ce Premier ministre pose problème. Et donc, je ne vois pas comment un Premier ministre dont la légitimité est mise à mal pourrait porter le leadership de l'application des mesures du DNI. Bon, c'est IBK qui le dit. Certainement, il est de bonne foi. Allez dans les mots de là. Allez réacclir la cour de Cagne. Le problème, c'est que depuis que IBK s'est avec la cour de Cagne. Par exemple, quand l'avion s'est aéré, il y a une cour de Cagne. Par exemple, IBK est fond fin que afin que la manière dont on fait au contraire des ni exemple de foyer 600 ni IBK kumbi ni IBK kumaga IBK à la mort moi nous robe faraika jamanana était fin fort Burundi président mais ça oui mon kilimpi de quel président est trop demandé que l'on a salak avant ni salanu ibla keshu kono ibla Air France, qu'on est mal là, il m'a dit colis non valide. Donc, Burundi président, colis non valide, ça a plus d'importance aux yeux d'IBK que 26 Maliens qui se font massacrer. Donc, on se repose toujours la question, est-ce que IBK va y réclamer? Est-ce que, voilà, IBK devait. Est-ce que le discours là, c'est IBK qui l'a écrit? Est-ce que c'est IBK qui a reconduit Boubou Cissé? Est-ce que IBK va calmer Kobo si ça avait démissionné? Mais est-ce qu'elle va calmer? Et aussi, Côte d'Ivoire, il y a eu une attaque terroriste qui a tué plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. C'est très bien, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur, je suis né là-bas, j'ai mes parents là-bas. Mais IBK est malien d'abord, c'est le plus malien des Maliens parce qu'il est président. Normalement, ni fait un malien que l'on sera. Ça devient important pour toi. Mais Kakes Sebemoroyae, et de la même manière, Boubou, il aurait pu prendre ces choses-là en main. Quand IBK n'était pas là, Boubou non plus, Boubou mis d'un greffe, il rasait les murs. Et donc maintenant, on va voir comment lui-même, il va appliquer le fait qu'il est Premier ministre. Pour moi, ça va être difficile.
Moi, je vais juste répondre à la question de Awadem, en fait, par rapport au DNA. En fait, je crois que j'ai parlé rapidement, donc, à ma femme. Il disait que le DNI, pour le secrétaire Mikera, tout le monde était là, sauf le problème, parce que ça s'est très bien passé. Ni Yatte, ni Koufate, ni Tolobate, si le truc de ceux qui dirigent la milice Peul, ni Ote, comment tu peux parler de sécurité alors que c'est il est bien compté à votre côté. Je ne sais pas. Donc, c'est vrai. En fait, nous sommes amenés dans les murs, quoi. En fait, blablabla, continuer le débit à ce grand bas, qui est en bas, il n'y a rien qui se passe. Donc, tu vas parler de sécurité du Mali sans c'est les acteurs qui sont impliqués là-dedans. On va où là? Qui peut croire à ça entre nous? Dernier qui est là, eux-mêmes, ils sont même pas de la branche armée de la CMA ou de la MEDE, ils sont même pas. On en a perdu un ça. Exactement. Ouais. Au niveau militaire. On n'est pas leur perdième. Donc, voilà. Donc, moi, je sais que c'est un problème pour Mali là. Ils ne sont pas impliqués là-dedans directement, pas peut-être nos militaires. En nous parlons de cette manière. Bouka, tu as écouté aujourd'hui l'interview du négociateur officiel pour trouver Soumaïla Cissé. Oui. Où il y a Kouama, il y a un journaliste malien, je ne sais plus si vous connaissez. Akama, Kouama, il y a un problème avec Soumaïla Nini Bamako. De la même manière, Malala Mouromo Dabe Pekoukmala, la paix, ça se vit. La paix, ça ne se fait pas. Namata Konter organisé pour la paix. Al diaspora Mouroubéan. Nya foye ngo nibe moko farole ngi nibe na mali diaspora la en français moko farole ne katien nous fana mauli ka djimo ni flon franyo kan ko c'est pour la paix mais comment ça se fait qu'on moko nani dongo do ameka moko saba dongo do ameka kuma ameka mission ke en mettant franyo kan ko pour la paix au Mali. En fait, on n'a jamais réussi à ramener le problème là où on veut trouver la solution. Effectivement, bi nibe ka san wolom la de un seul jour délocaliser le conseil des ministres dans les zones du Nord, ça aurait été un grand signal. Un jour, se rendre là-bas en période d'accalmie, c'est-à-dire qu'il a eu 7 ans pour négocier juste le fait de pouvoir passer 2 heures de temps sur la partie nord du Mali avec les protagonistes. Il n'a pas pu. Et il est en train de promettre aujourd'hui aux Maliens comme s'il était en campagne présidentielle. En fait, comme il a été rebranché, il a dû effacer de sa mémoire tout ce qui s'est passé. Et donc, il vient, il veut un nouveau contrat social avec les Maliens. Aïdana, Mbao sécurisé. Aïdana, Mbao fraqué. Aïdana, Barako. Il a parlé de l'emploi. Il a dit que tout le monde sera traité pareillement face à l'accès à l'emploi. Bon, on peut se poser la question, quelqu'un qui n'a pas fait son mea culpa, parce que logiquement, ni Oulu, ni 200 000 emplois m'ont créé là, Maouloud Ben Katrafe. 200 000 emplois, ça a été attribué sur quelle base? Nasr, on va aller sur le postulat que 200 000 emplois créés là. Et donc, est-ce qu'on fait un mea culpa pour dire que a créé là, a dit là, en Dombrauma? En fait, cette allocution du président, déjà, j'aurais voulu qu'il la fasse soit en Bamanankan, soit en Peul, soit en Dogon, mais comme à tout au Kanchima avec Bamanankan, mais. J'aurais aimé qu'il le fasse en Bamanankan. En fait, c'est un discours qui n'est pas porté. Et c'est un discours, comme on dit ça, kakete. Parce qu'il y a ni Mordo et Nyonyebi. Donc, on lui a certainement conseillé Katakuma. Effectivement, Bouka a fait un parallèle. Kuma Mounfola Kakoro, Anana Segi Kokuma ou de soigner, tout en faisant attention à ne pas évoquer le nom de ceux qui ont demandé son départ. Il n'a pas parlé de son départ. Alors que ça, c'est une vraie question aujourd'hui. On se pose la question. Mais, ma revendication, juste 30 secondes, même 20 secondes, il a prononcé le nom du mouvement du 5 juin. Et donc, moi, je pense que il a manqué une occasion de se taire. C'est un rendez-vous manqué. La vraie information de cette allocution d'Ibrahim Boubacar Keïta ce soir au JT du 20h, c'est que Ibrika a été rebranché. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il a été rebranché pour de bon? Est-ce qu'il a été rebranché par la bonne personne? Est-ce qu'il a été rebranché de la bonne manière? That is the main question.
Il y a quelqu'un qui a posé la question à savoir que est-ce que selon le nouveau M5, le mouvement des 5 juin, rencontrer des cas. Évidemment, si c'est pour le dire de démissionner, ben oui. Je n'en sais rien. Demain, c'est lundi. Hein. Demain, je vais essayer de ramener quelqu'un du M5 ici à Matkininga parce que Nair était M5 là. Voilà. Voilà, mais selon moi, la meilleure façon, ce sera pas. Si tu veux dire à quelqu'un que ce n'est pas la peine de le laisser à Nair, mais inviter Vita, il t'envoie. Ce sera mieux. En tout cas, on va leur poser la question. Voilà, comme Noumsa est parti, on lui aurait posé la question. Est-ce qu'Abna Taïbeka a gagné la main? Bon, comme j'ai dit, ça a été dit de façon furtive. C'est-à-dire qu'il y a un menace, c'est comment on fait. 5 juin 2019, bon, nous faisons comment. Pour moi, ça a été ça. Il y a un manque de politesse totale. Il y a un manque de considération. Il y a un besoin d'utiliser les Maliens. En tout cas, s'il a réussi quelque chose au Mali de façon remarquable, c'est la division des Maliens. Ils sont dignes, ils sont légitimes. C'est grave comme expression quand même. Ça veut dire qu'en toyo wara ouyeke. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Bouka, Toto, si vous avez quelque chose à conclure, je vous écoute. Bon, moi, Bouka? Oui. Bon, mais quand même, il faut comprendre que le discours de Begara DND, dialogue national inclusif. Bon, Begara Blaoukoula, bon, discours fait DND Regara Tourmna, Malion Béaï. C'est-à-dire que Doya contesté, Mrodo Massoma, Malion Faba Massoma. Aïe, à Konyama Talara dit Mromunuma, Lukera, Ulabanga Tourmna, Dou Blara Nefe, après Aïe, Domolodiro Luma, Uldo Dung Rafendo et Canada, Fem, bon, Namor Trofo, mais tout le monde. On a la Draman Traoré. Non, bon, ma foi, il est à fond. Donc voilà. Donc je dirais tout simplement. Donc Malien ou Kolochou est là, le président avait trop nabi. Je pense qu'il n'est pas prêt qu'à Malien en main. Et je pense qu'il n'est pas prêt qu'à Kouman Malien. Bon, on verra. Ni Akokabe Kouma M5 m'a fait donner la taula. On verra aussi. Donc c'est tout à fait légitime au Luka Sega Kouma. Mais moi quand même, ça m'étonnerait que la façon dont ce mouvement est engagé, Koura Sega dialogue accepté avec Ibeka. On a vu oui, Mahmoud Digo rapprocher à un certain moment jusqu'à ce que bon Mrodo Outara fait Kakouma Lyon fond. Mais après, on n'a pas vu le résultat. Mais on ne sait pas non plus ce qui se passe réellement dans les coulisses. On souhaiterait que nous couvrions Arada en Béga tient donc. Quand mouvement Mrodo tient donc, quand président Mrodo tient donc, on met Tiamantier là. Donc, Némi Tagra tient, on verra dans les jours à venir. Très bien, donc merci Toto, merci Bouka pour vos analyses que j'admire particulièrement. En la djeba, on a la même bas, on a au bœuf, on aura fidélité là. Donc on doit avoir un blasranga émission, on a au débat, on a au coup, on a au don, on a au sérieux canal, on a au coup, on a donc on a au faute dans tes folies, on a. Il y a fois, je vais contacter les gens du M5. Donc, nous, on a au canal. Amna no nyinga Ibeka Bolaka kuma bo déjà avoir leur réaction par rapport aux propos de Ibrahim Boubacar Keïta. Et deuxièmement, afola ko voilà ni sikika fo de kadawe aena, je pense avoir déjà entendu de la bouche de deux personnes du M5 dont Clément Dembélé koni sikika kun sikika fo beke démission de camp ko eux ils sont prêts katakuma démission condition camp kono te ka toto lu nyasra la. Clément Dembélé a fait ça, je suis sûr. Maintenant, je ne sais plus ni fin à fort, le général Moussa Senko Koulibaly. En tout cas, je vais les contacter et puis je vais voir si demain, quelqu'un est disponible pour venir nous analyser le discours d'Ibeka et nous dire nous bêta Ibeka la main. Donc, voilà. Nous devons bitaye, en bas ou bien faux, en bas faut prenez soin de vous. Voilà, votre vie, c'est ce qui est finalement le plus important dans tout ça. Et on se dit à demain très certainement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. On a un générique quoi d'un homme et un générique bamboulo. Hein, Bouka? Ouais. On a un générique bamboulo. En même émission, on tient un générique. Ouais, justement. Mais c'est prochain. Figa balan de don, générique encore. Pour que. Non, ni Mali, qu'elle a, ni Mali a qu'à coton transformé, qu'à qu'elle masquille, qu'à frère, gien, ben, mané, balan de don, ben, y'en a. Ah. C'est ça la condition. Yeah.
sorry is choked. My first form is some rumors at your door with a rope. I tell you limbs, it's your rage, when you realize enough. Yo, do you dance, motherfucker, shoot your people from over. I'm talking protocol, like bombs in the after hours. I'm zigzagging through the chairs, but here comes the backup car. We all been around those who give people their own bag. And after the night, that it doesn't really matter what it's at. You come my way from New York, you come my way from your past. All you do is run laps on the back of the lake where you ran. I'm trucking you to hold up my purple gun. I'ma cut it upside down for the shark. And you gon' run, you gon' call it cut. It's a service, service to read through the verses. All searching to figure out how you gave him the circuit. You can take the page and turn it into a working country. You can punish the world and all the people without hurting. And in debt, I know the debt, I know that those who are hurting something. He got you circling in the world and nothing but purpose. Yeah, you first hand and love go down. The man in the building burning just to save all of them. Make them run and let you drop them all off of the jump. You beat your hands with your arm. Dance, call me up, call me full, when the common sense alone. You pop the faucet, train ain't drift, cause it's just from the robbers. It was a holocaust of words, won't take too long. And now the fuck are y'all trigger when you listen to dumb songs? I'm like, the radio has shut the fuck up.